Comme je l'ai dit hier, l'histoire du catharisme a ressurgi dans la littérature au XIXe siècle avec les travaux d'un Allemand, Charles Schmitt, excusez-moi, j'avais un petit trou de mémoire, qui a servi de référence pour tous les chercheurs historiens pendant un siècle. Donc Charles Schmitt était bien sûr encore dans la vision qu'on avait du catharisme à l'époque, c'est-à-dire une descendance du manichéisme. Cette vision des choses va rester quand même dans les esprits, même si certains chercheurs vont essayer d'aller plus loin. Alors, le plus connu des chercheurs, j'allais dire régionaux, de cette époque-là, c'est Napoléon Peyrat. Napoléon Peyrat, qui est né en 1809 et qui est mort en 1881, donc qui était contemporain de Charles Schmitt, mais dont tout le monde s'accorde à dire, quand même, avec un peu de recul, qu'il avait plein de qualités, ce grand pasteur, mais ce n'était pas un grand historien. Oui, mais il était dans l'état d'esprit de l'époque. Peut-être. Peut-être, effectivement, il était dans l'état d'esprit de l'époque. Le romantisme. Et surtout, comme au XIXe siècle, il y avait une grande influence du romantisme. Et quand même, il était protestant, donc il y avait aussi cette notion qui s'intéressait beaucoup à projeter les protestants chez les cathares, pratique qui ne s'est pas tarie avec le temps, puisqu'aujourd'hui, on a Michel Jacques qui fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il part des noms de cathares pour voir s'ils sont devenus... Alors voilà, ça c'est le travail de Michel Jacques dans Brest-Cathares, notamment, dans son livre Brest-Cathares. Il fait de la toponymie, c'est ce qu'on appelle de la toponymie. Oui, parce que les deux étaient des hérésies, de toute façon. Il part du principe que si on avait des cathares à un endroit, et qu'aujourd'hui on a des protestants, c'est qu'il y a forcément une filiation. Ils ont quand même des... Je vous fais remarquer à plusieurs reprises qu'il y avait un problème majeur, c'est que quand on est hérétique, et quand on est dans les familles qui suivent les familles d'hérétiques, on a plutôt tendance à aller vers les religions qui s'opposent à la religion dominante que d'aller vers ceux qui nous ont foutu des baffes dans le passé. L'exemple typique qui démonte complètement la théorie de Michel Jacques, c'est Carcassonne. Puisqu'à Carcassonne, l'archevêque du XIIIe siècle, c'est la famille de Rochefort. Le frère de l'archevêque, il est évêque cathare. Et la mère de l'archevêque, elle est bonne dame cathare. Donc c'est un peu compliqué de nous expliquer que ça marche par famille, quoi. En fait, le catharisme était implanté dans toutes les familles, au moins en termes de croyants. Et donc on peut pas, ça marche pas comme ça. C'est un peu comme aujourd'hui nous expliquer que les courants politiques obéissent à des lois toponymiques. Parce que tu es dans le sud-ouest, tu es forcément de gauche, parce que tu es dans le nord, tu es forcément de droite. Ça serait complètement délirant. Quoi. Donc Napoléon Peyrat, lui, il est donc à la fois historien du catharisme, il est prêtre de la réforme, donc pasteur réformé, et il est poète. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, il va être intégré dans ce qu'on appelle l'effet libre rouge, c'est-à-dire les gauchistes des occitanistes, quoi. J'ai parlé de trop méchant, je me méfie parce qu'il y a des gens du pays, hein, je peux me faire démolir. Néanmoins, il a publié ce qu'on appelle l'histoire des Albigeois, qui à l'époque était en 5 volumes, maintenant qui a été réédité en 2. J'en ai pris qu'un, hein. Toujours par la Société La Cour d'ailleurs, qui fait un bon travail de ce côté-là. Et il a un peu déliré, c'était pas un historien très, très sérieux, il a fait d'escarpons de foi, une diaconesse cathare, quelqu'un d'extraordinaire, alors que c'était pas du tout ça. Quelles étaient ses sources? Parce qu'il avait dû payer encore beaucoup là-bas. Non, mais bien sûr que non, il n'avait pas beaucoup de sources. Il a mélangé la tradition, il a mélangé pas mal de choses. Il y avait quand même un peu d'histoire. On avait Pierre Desvaux de Cernay, on avait des gens comme ça qui avaient écrit pendant la croisade, donc on avait leur tonneur sur ça, eux. Quoi. Mais disons que
comme on fait d'autres, notamment Gadal, quand il y avait un trou dans son truc, il le comblait. Voilà, il a rangé ça, quoi. Bon, néanmoins, l'histoire des Albigeois, c'est pas l'élément central de son travail. C'était un protestant, donc il a écrit une histoire des pasteurs du désert, il a écrit une histoire de la réforme et de la France et de l'Italie au XIIe siècle, il a écrit des ouvrages sur Béranger et Lamennais, il a écrit également un ouvrage sur la Grotte d'Asile, je ne sais pas si vous connaissez le Mas d'Asile, c'est un haut lieu du protestantisme régional, hein, et il y a une magnifique grotte qui est un haut lieu touristique très visité, donc voilà. D'ailleurs, c'est là que vivait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, un autre pasteur qui s'était intéressé au catharisme aussi, un peu de la même façon, qui était le pasteur Parmentier. Voilà. Vous connaissez ? Non ? Bon, c'est pas grave, on peut s'en passer. Il était gentil, hein ? Enfin, un petit peu virulent, mais gentil. Et il a sorti... mais c'est lui qui nous a sorti la source Q, aussi. Il avait découvert avec tout seul la source Q. C'était amusant. Il faut l'avoir lu, c'est amusant. Voilà. Voilà pour Napoléon Perrin, hein, ce que je peux dire de plus important. On va parler d'un autre qui n'est pas très passionnant non plus, mais avant de parler du dernier, qui est, on l'a dit, le plus intéressant de tous. Le deuxième, c'est Antonin Gadal. Alors, on en a parlé un peu hier, hein, vous avez entendu parler d'Antonin Gadal. Antonin Gadal, alors. Il est né, c'est un monsieur qui vivait dans le Savartès, hein, donc dans le Grand Sud par rapport à nous. Il est né en 1877, donc on a quasiment un siècle d'écart. Hein. L'histoire, j'ai été prendre ça sur le site des Rose-Croix, je vous préviens tout de suite, hein, donc, parce que c'est les seuls qui ont fait un travail de biographie. Donc, à côté de chez lui vivait un vieil homme, que tout le monde appelait le patriarche de Savartès, qui s'appelait Adolphe Garrigou et qui se voulait historien. Il avait donc fait un petit peu d'histoire sur le pays et il était convaincu que Perra avait effectivement trouvé la bonne réponse à toutes les questions. Vous voyez un peu sur quel biais on est en train de partir déjà. Et donc, si on comprend bien, Peyra inspire Garrigou, qui inspire Gadal. Voilà. On dit la pente est raide, l'arrivée va être brutale. Donc Garrigou, qui est vieux à cette époque-là, va faire de Gadal son petit disciple, en quelque sorte. Et l'autre, il l'aime un peu comme un père, et donc il va boire ses paroles. Et il va partir de là pour faire lui-même son travail de recherche. Le problème de Gadal, c'est qu'à un moment donné, il va croiser la route d'un autre monsieur qui s'appelle Otto Rahn. Alors, je ne prends même pas les notes, hein, parce qu'il y a un très bon bouquin de Christian Bernadette, hein, qu'il faut absolument lire. Voilà. Otto Rahn, c'est un Allemand, un jeune Allemand, qui s'intéresse un peu à l'ésotérisme. Comme il est allemand, mais il s'intéresse bien sûr au cycle wagnérien, il s'intéresse au Graal. Il n'est pas lié au ésotérisme. Alors, voilà. On y vient. On pas mes effets quand même. C'est pour que moi je puisse oublier ce nom-là. Et donc, Otto Rahn, il n'a pas de sous, bien sûr, et qu'est-ce qu'il a ? Il a envie d'aller en France se balader, visiter, et puis éventuellement voir s'il ne peut pas trouver des liens avec ce qu'il croit. Et il arrive à cette époque-là qu'il est au début de l'hitlérisme, donc il a l'idée intelligente d'aller vendre aux hitlériens que lui, il est capable de trouver l'origine du Graal et que tout ça, ça a un rapport avec l'histoire allemande. Et donc, bien entendu, les autres, ils sautent sur l'occasion de prouver que le peuple allemand était le peuple dominant, que c'était les plus importants, et que donc tout ça justifie les théories d'Hitler. Donc on le finance. Il arrive ici, bien sûr, il tourne en rond pendant pas mal de temps, il lui se lie d'amitié à droite et à gauche, et puis arrive un moment, les autres ils en ont marre, parce qu'il n'y a pas de retour, donc on lui coupe les vivres. Qu'est-ce que fait Otto Rahn à ce moment-là? Mais il va voir ceux qui connaît dans le coin, notamment Gadal,
et il leur fait comprendre que voilà, s'il est obligé de rentrer en Allemagne, alors qu'il a presque fini par trouver tout ce qu'il fallait trouver sur le catharisme et tout, ça serait bien dommage, donc il faut le financer. Alors Gadal lui prête, je crois, c'est 2000 francs à l'époque, ce qui est une belle somme. 2000 francs, et en plus, on lui trouve un boulot, un magasin, une espèce de. Je ne sais plus si c'est une librairie ou un truc comme ça, quoi. Il a un petit magasin, dont il ne payera jamais le loyer d'ailleurs. Et puis un beau matin, Autorane disparaît. Alors, est-ce qu'il s'est barré parce qu'il avait les huissiers aux fesses? Est-ce que les Allemands sont venus le récupérer en disant tu t'es foutu de nous, on va se venger? C'est le mystère Autorane. Sauf que Gadal se retrouve tout seul une fois de plus. Alors on l'a vu, Gadal en lui-même, jusqu'à présent, il n'a pas fait grand-chose en termes de recherche. Donc il va s'improviser chercheur. Et comme on sait par exemple qu'à Londrive, il y a eu des cathares qui ont été emmurés vivants, il a dans l'idée de construire la théorie, toujours dans le romantisme ambiant, que en fait, ces grottes étaient des espèces de cathédrales cathares, que c'est là qu'on faisait, qu'on formait les jeunes novices, que c'était vraiment. Et donc il va faire toutes les grottes du coin, en s'attardant sur Bethléem, donc Londres, donc il va même être à un moment donné le responsable, je crois. Et il va construire toute une théorie, avec une technique malheureusement bien connue, qui consiste à prendre des sources. Quand les sources vont dans votre sens, on les garde, voire on les magnifie un peu. Et quand elles ne vont pas dans votre sens, on les fout à la poubelle, ça, il n'y a pas de contradiction, c'est toujours plus difficile. Et au total, donc, on a une théorie qui n'a pas tenu du tout face aux autres historiens quand ils ont sorti les leurs derrière. Voilà malheureusement l'histoire de Gadal. En plus de ça, donc, Gadal a été approché par des mouvements ésotériques. Je n'ai pas connaissance que Gadal est trempé dans la théosophie, lui. Mais par contre, que les Rose-Croix essayaient de le harponner, et donc récemment j'ai appris qu'en fait il avait résisté. Il avait résisté aux Rose-Croix, et malheureusement, comme il est mort, et que derrière lui il n'y avait pas d'équipe pour prendre la relève, c'est les Rose-Croix qui ont récupéré la documentation et qui s'en sont servis. Allant jusqu'à publier un livre signé de lui après sa mort. Voilà pour ce pauvre Gadal. Reste la personnalité quand même la plus intéressante de cette période, qui lui donc est un monsieur d'autant plus intéressant qu'il est né comme Antonin Gadal à la fin du 19e, en 1877, mais il est mort en 1978. Donc il a couvert un champ très intéressant. Il a vécu 100 ans tout rond, puisqu'il est né en décembre, il est mort en janvier. Il a 100 ans et 30 jours. Alors c'était un érudit, un vrai, c'est un monsieur qui avait une vraie formation. Il était juge. C'était un magistrat. Il était donc affecté à Limoux. Et à côté de ça, il traînait dans la politique aussi. Il est donc rentré chez les francs-maçons. Il est devenu un des disciples de Rudolf Steiner, le créateur de la théosophie en Allemagne. Voilà, donc chez moi, j'ai plein de documents de Steiner, des cours de Steiner. Voilà. Et la théosophie, c'est une branche de l'anthroposophie. Voilà. Donc c'est une approche spirituelle. Voilà, hein. Pardon, c'est l'inverse, excuse-moi. Donc, je ne suis pas très fort dans ce secteur-là. Et donc, il a donc essayé de trouver des connexions entre le catharisme et la théosophie, faute d'en avoir trouvé entre le catharisme et les francs-maçons. Et il a bâti son travail là-dessus, il s'est entouré de gens, donc, qui étaient les uns historiens, les autres plutôt spirituels, ésotéristes. Et c'est lui qui a créé les cahiers des Pieds de Cathare en 1949. Hein, ça doit être ça. Cahiers des Pieds de Cathare qui eux aussi ont connu une vie longue et heureuse, puisqu'il y a eu quand même 200 numéros de tirés. C'était un trimestriel.
Donc, au début, il y avait beaucoup d'éléments historiques dedans. Les premiers numéros sont très intéressants de ce point de vue-là, d'autant qu'ils sont quasiment introuvables aujourd'hui. Et heureusement, je les ai tous. Donc, je suis en train de les numériser et de les proposer pour les chercheurs. Bon, c'est sûr qu'après, et surtout après sa mort, il est mort donc en 78, les cahiers ont continué, ils continuent toujours d'ailleurs, même s'ils ne publient plus aujourd'hui. Après sa mort, c'est Lucienne Julien qui a pris le relais, qui était sa compagne, et Lucienne Julien qui, elle, était vraiment du côté ésotérique. Donc, avec Suzanne Anne-Douche, elles ont été les deux piliers ésotériques de Déodat Rocher. Mais il y avait quand même des historiens. Duvernois a publié très régulièrement dans les cahiers d'études cathares, et on trouve des gens très intéressants et des choses très intéressantes. Après, il faut fouiller un peu. Sur le site internet, hein, vous avez l'intégralité des sommaires pour tous les numéros dont je dispose. En fait, il me manque que deux années, il me manque 96 et 97. J'ai tous les autres. Donc, ça commence à être pas mal. Déodat Rocher, alors, c'est du on-dit, hein, j'ai pas trouvé de trace écrite de ça, mais moi, d'après les proches qui l'ont connu, à la fin de sa vie, dans les dernières années, je pense que c'est à partir de 75-76, c'est-à-dire à partir du moment où il a eu connaissance des travaux de Duvernois, il a remis en cause sa théorie théosophique du catharisme pour dire que non, effectivement, c'était un pur christianisme, rien d'autre, il ne fallait pas y chercher autre chose que du christianisme. Voilà, ce qui prouve au moins que même à 100 ans, on arrive encore à avoir l'esprit clair et la capacité d'autocritique, ce qui est loin d'être négligeable. Voilà, est-ce que vous voulez parler un peu de ces gens-là? Prenez le micro. Ces gens-là étaient catholiques. Ah, mais non, Prévas, c'était un protestant. Voilà, Duvernois, c'était un protestant. L'allemand, là, Parade, l'autre. Le premier, Gadal. Non, là, Schmitt, c'était un protestant. Voilà. Gadal, je pense qu'il devait être de racine catholique, mais peut-être avec une tendance un peu à la fuite. Et Rahn, je pense qu'il n'était rien du tout. Peut-être aussi athée que Hitler. Mystique. Oui, voilà. Le problème, c'est que. Dès qu'on commence à toucher à l'ésotérisme, au sens large du terme, on trouve de tout. Il y a à boire et à manger. Il y a des gens qui ont vraiment une démarche spirituelle et puis il y a des gens qui ont une démarche poétique. On voit très bien ça avec Nelly, notamment. Alors justement, on n'a pas parlé de Nelly parce qu'on était encore au 19e et jusqu'au 20e. Et Nelly, c'est un cas à part un peu parce que c'est un monsieur qui était certes très branché poétique et occitanisme. C'était un occitaniste et un poète. Mais il a quand même fait des efforts au niveau de l'histoire. Alors moi, s'il y a un bouquin que je peux vous conseiller de Nelly sur le plan historique, c'est celui-là. Il a été tiré à des milliers d'exemplaires en différents formats, donc c'est très facile à trouver. Et il y a plein d'informations intéressantes sur la vie dans les maisons cathares et des choses comme ça. C'est pas celui-là qui parle des livres, de certains livres là, qui Arnaud Morlane et Sainte Morlane. Je sais plus là, je ne le connais pas par cœur, mais. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas les cathares, c'est la vie quotidienne. Oui, c'est ça. C'est ça qui est bien. Et bien sûr, René Nelly a eu l'idée géniale de faire la compilation des textes qu'il a réussi à retrouver, qui émanaient, alors, presque tous des cathares, à l'exception d'un seul, qui est l'évangile de Jean, pas l'évangile de l'interrogation Johannis, qui est un apocryphe bogomile, c'est-à-dire un texte utilisé par les bogomiles, mais qui n'est pas écrit par les bogomiles. Et Anne Bronon a refait une édition, c'est celle que j'ai là, en 91, puisque Nelly est mort en 84. Ou 89, je ne sais plus. Non, 89 peut-être. Et donc Anne Bronon a refait une édition où elle a rajouté le rituel de Dublin qui ne figurait pas dans l'édition originale. Pareil, une nouvelle édition est sortie il y a 2-3 ans, parce que j'avais menacé, j'avais mis en œuvre d'ailleurs,
parce que les éditions du Rocher appartiennent aux éditions privées qui appartiennent au laboratoire pharmaceutique Fabre, qui est un petit peu du même tonneau sur le plan religieux que Servier, c'est-à-dire c'est des extrémistes de droite religieux, catholiques. Voilà. Donc ils ne voulaient pas, rééditer, je les comprends, je ne fais pas de publicité au Qatar quand on est catholique extrémiste. Mais je leur ai dit, si vous ne rééditez pas, moi je publie les textes sur mon site gratuitement, puisque la famille ne s'y est pas opposée, je prends le risque que vous me fassiez un procès et vous expliquerez au juge pourquoi vous voulez pas, vous voulez faire taire la connaissance de ces textes. Et j'ai commencé à publier, et quelques mois après, une nouvelle édition est parue. Donc j'ai retiré mes textes, c'est normal, vous pouvez acheter maintenant sans problème. Et la nouvelle édition, elle a en couverture la page du Nouveau Testament occitan. Et si je me rappelle bien, c'est la page du rituel, qui avec un N, un grand N au milieu. Nous sommes venus devant l'église. Donc, voilà pour Nelly. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Nelly s'était intéressé à la spiritualité cathare, vous voyez, notamment, lui faisait sauter le pas d'un catharisme d'aujourd'hui. Il y croyait. Mais il le voyait sur un plan un petit peu plus romantique que nous. Ce n'était pas le même niveau. Je vous ai parlé des textes cathares, j'ai apporté, pour ceux que ça intéresse, la version 68 du Nouveau Testament occitan, la transcription de Slatin, tirée de l'ouvrage de Léon Cléda, qui est actuellement, enfin l'ouvrage de Léon Cléda, l'ouvrage transcrit par Léon Cléda, qui est actuellement rangé dans la bibliothèque municipale de Lyon. C'est de l'MS 36, hein, si je me rappelle bien. Et Anne Brenon, avec David Spiral et des chercheurs associés à David Spiral. David Spiral, c'est un chercheur tchèque. C'est notamment lui qui a démontré la réalité, la validité de la charte de Nikita. C'est pas rigolo, c'est un vrai chercheur. Et donc, avec Anne Brenon, ils ont fait une recherche pour essayer de comprendre quand est-ce que ce texte avait été écrit, où et qui l'avait eu en main. Lors d'une conférence à laquelle nous avons assisté, et après des discussions personnelles avec Anne. Ce que j'aurais souhaité, ce que vous voulez savoir, c'est qu'ils étaient assurés de l'origine de ce texte. Alors, voilà, la façon dont il a été écrit, parce que Anne, je le rappelle, était archiviste paléographe, c'est-à-dire c'est une personne qui a la compétence pour lire les textes anciens, les authentifier, et donc elle était capable de différencier les graphies, les tournures et tout ça. Donc, ils ont authentifié que ce texte a été écrit fin du XIIIe siècle dans le nord de l'Italie. Comme Ruben nous l'a rappelé hier, c'est dans cette zone-là que se trouvaient les dernières communautés cathares, après avoir été obligés de partir de l'Occitanie du nord, de France, quoi. Ils étaient allés se réfugier dans cette partie de l'Occitanie qui n'était pas encore sujette aux persécutions trop sévères, puisqu'en Italie, à cette période-là, le clergé avait plus important à s'occuper, puisqu'il y avait une bagarre entre le clergé de Rome et l'empereur d'Allemagne, ce qu'on a appelé la guerre des Guelfes et des Gibelins, qui s'est terminée par la victoire du pape. Et à partir de là, ils se sont attaqués au Qatar, et notamment au Patavin, et notamment c'est là qu'on a vu arriver à Vérone, le fameux bûcher de Vérone, qui a été extraordinairement grave. Ouais. Donc ce texte est manifestement de cette époque-là, et l'explication la plus cohérente, c'est que si on a retrouvé ce texte-là en France, c'est simplement qu'il était remis aux cathares qui étaient venus se former en Italie et qui retournaient en Occitanie pour maintenir la vie de l'Église. Or, entre la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe, les seuls qui ont bougé dans cette région-là, c'est Pierre Autier et son frère Guillaume, qui sont allés se former pendant 3 ans dans cette région-là. Donc il est plus que vraisemblable que ce document faisait partie de leur viatique et qu'il était destiné aux prédicateurs. Le rituel qui a été rajouté à la main derrière, lui certainement, il a dû être édité en plus grand nombre pour être remis à tous les bons chrétiens, car il fallait qu'ils soient capables d'administrer la consolation aux mourants notamment. Alors ceux qui savaient lire devaient avoir la version écrite que nous avons, qui a été traduite par Léon Cléda. Ceux qui ne savaient pas lire comme les libastes l'apprenaient par cœur.
faut pas oublier qu'à cette époque-là, on avait énormément de, de mémoire, hein, parce qu'on apprenait quasiment tout par cœur. C'était oral, c'est-à-dire que ça se trouve facilement. C'était des traditions orales, effectivement. Ah oui, c'est intéressant. Une nuit de Noël. Alors, Bertrand, c'est Bertrand Camon, je suppose. Une nuit de Noël, le chapelain Camon parlait de l'Eucharistie. Et donc, il y en a un qui n'est pas d'accord avec lui. Et lui, Arnaud Morlan, donc, qui lui déclare mystérieusement « Il existe des livres qui feraient perdre la foi aux laïcs s'ils les lisaient. Et s'ils les comprenaient comme d'autres membres du clergé et moi-même les comprenons, ils ne croiraient pas plus les juifs et les que les juifs et les, les sarrasins certaines choses qui passent pour vraies. » Donc, voilà. Et il était curé de Penautier et son frère était chanoine à la cité. Voilà. C'est bien que c'est dans les milieux intellectuels religieux, forcément, à l'époque, que se recrutaient les cathares, puisqu'on a l'exemple en 1025 des cathares d'Orléans. Ok, bon, je vois plus grand-chose à vous dire sur ces gens-là. Il reste une personne dont on va parler brièvement, parce que sans cette personne, certainement, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et en outre, il a apporté sa pierre à l'édifice, c'est Yves Maris. Bon, quelques-uns d'entre vous l'ont connu personnellement. Non ? Non, non plus ? Non ? Toi, oui. Toi, non plus. Merde, alors, on n'est que deux, alors. On n'est que deux. Je l'ai eu en contact. Alors, Yves Maris, qui vivait à Rolfissade, dont il était le maire, est né en 1950. Il est mort en 2009. Et au départ, c'était un fils de bonne famille comme industriel. Ils étaient dans le tissage, hein, comme beaucoup de gens dans l'Ariège. Et puis, quand il est devenu adulte, il avait été faire une formation économique. Il avait un diplôme d'économie. Et il a repris la suite, non pas de l'usine, mais lui, il s'est lancé dans la récupération d'entreprises défaillantes. Il a choisi le métier idéal. Et il a fait ça un certain temps, puis ça a fini par lui peser. Alors il a tout abandonné, Vandame et sa famille, et il est parti à Toulouse faire une fac de philosophie. Il a fait sa formation jusqu'au doctorat, et sa thèse de doctorat, qui s'appelle Enquête de Paul, que je vous conseille de lire, est un excellent ouvrage d'étude des textes pauliniens qui permet notamment de faire un peu le tri dans ce qui est de Paul, dans ce qui n'est pas de Paul, et de comprendre, du point de vue d'Yves Maris, hein, qui n'est pas forcément toujours le mien, la façon dont Paul se comportait et la façon dont Paul comprenait les choses. Parallèlement à ce travail, il avait sorti un petit opuscule très sympathique, j'allais dire un petit memento de la vie sereine, quotidienne de chacun, qu'il a appelé le philosophe. C'est comme de leçon philosophique. Voilà, une par semaine. Hein. Je conseille tout le monde. Et tous ces livres, on peut les trouver, ils sont souvent édités au Canada. Oui, mais s'il y en a qui s'intéressent, je vais recommander, je vous dirai où vous pouvez le trouver. Voilà. Mais c'est très bien, c'est voilà. Une bonne lecture. Tu es pensé par jour? Par semaine. Par semaine. Oui, 52. Après, tu fais comme tu veux, ça peut être tous les matins. Mais il était tu déjà très clair dans cette façon d'avoir. Non, non, c'est la philosophie. C'est vraiment une ouverture. Je trouve que c'est un. Ouais, c'est vraiment des. Qui n'aurait pas voulu connaître. Donc, ensuite, donc, il s'intéresse bien sûr au charisme. C'est venu dedans. Il s'intéresse au charisme et il est touché. Ce qui devait croire. Ah, il n'y a pas. Et donc, il progresse dans ses connaissances du catharisme, mais toujours dans le philosophique. Et il va faire un premier travail, une première question, et pour essayer d'estiquer les différentes étapes de la compréhension du catharisme, il a l'idée de prendre l'image d'une jeune femme qui part de chez elle et qui va en Bosnie pour rencontrer les Bogomils. Et donc, au fil de son trajet, étape par étape, elle expérimente chacun des éléments de la foi cathare, avec parfois des aménagements.
elle pousse la bienveillance, jusqu'à s'offrir gracieusement un pauvre homme qui n'a pas vu une dame depuis longtemps. L'idée est fabuleuse. Non, mais l'idée est géniale, si on est d'accord. La bienveillance, pas jusqu'au bout. Voilà. À quoi faire le corps ? Voilà. Sinon, rien du tout. Donc, c'est quand même pas un corps. Ce qu'il faut surtout voir dans cet ouvrage, qui s'appelle le journal, journal d'une initiée. Qui elle est ? C'est le journal d'une initiée, je crois. Je me rappelle plus, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'en fait, ça constitue le pied à l'étrier de ce qui va être son travail final, c'est-à-dire le manifeste. Je vais le retrouver, Maris. C'est Qatar, journal d'une initiée, et après c'est la résurgence Qatar, le manifeste. Alors, donc, Qatar, journal d'une initiée, c'est 2006, c'est ADA, donc c'est la société ADA, c'est au Québec. Et la résurgence Qatar, c'est le mercure dauphinois, donc ça c'est en France. Et le philosophe, c'est le dauphin blanc, c'est aussi au Québec. Alors la résurgence Qatar est un texte très intéressant, parce que là, chapitre par chapitre, effectivement, il reprend cette idée d'étudier point par point, non pas la doctrine Qatar en elle-même, mais les grands principes philosophiques qui sous-tendent le qatarisme. Est-ce que le diable existe, est-ce que le mal existe, qui est Dieu, etc., etc. C'est très intéressant parce que je trouve que c'est un excellent moyen de lier la pensée moderne avec le catharisme. Voilà. Il prend un témoin, toute l'organisation, les structures aujourd'hui qui gèrent. Toute la structure moderne de la société, des relations humaines. Pour appuyer évidemment les principes Qatar et voir ce qu'ils sont devenus, et peut-être ce qu'ils auraient pu être si on n'avait pas exterminé cette église. Voilà. Alors pour autant, Yves-Marie vivait de façon très simple, très très simple, dans une petite maison qu'il avait héritée. Enfin, après sa séparation amiable avec sa femme, il avait gardé la maison, il lui avait laissé tout le reste. Il vivait dans cette maison qui était très mal. Isolé, et il avait comme toute ressource financière, son indemnité de maire de refixade, c'est-à-dire à l'époque 500 euros. Donc, il avait une vie qu'on pourrait considérer comme une vie de lobbyiste, d'un point de vue matériel, on va dire. Après, lui-même l'écrit dans le manifeste, il n'a jamais été partisan de la reconstitution d'une communauté évangélique cathare à notre époque. Il considérait que le catharisme devait rester une démarche purement intellectuelle. Voilà. Donc c'est un choix qu'on ne partage pas non plus. Mais voilà. C'est quand tu dis purement intellectuel, c'est une approche personnelle et un vécu personnel. Individuel, tu veux dire. Et intellectuel, il insistait bien aussi sur ça. Oui, il insiste, mais c'est pas que sur ce. Non, non, mais je veux dire, quand je dis intellectuel, effectivement, c'est-à-dire pas pratique. Il n'y avait pas de mise en pratique. Voilà. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui plus un néo-catharisme qu'une résurgence cathare. Voilà. Par ailleurs, il avait une vie normale. Ça ne regarde pas, c'était sa vie. Il était donc homme de pouvoir, puisqu'il était maire, même si c'était un petit village. Il était politiquement engagé, il s'était présenté à la députation, même s'il n'avait pas réussi. Sur des listes de quel C'était le RPR à l'époque. De droite. Oui, mais c'était sa tradition familiale aussi. Mmh. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. C'est un monsieur qui a fait quand même beaucoup avancer les choses parce qu'il organisait chez lui régulièrement des rendez-vous. On était en général entre 5 et 10. On venait passer l'après-midi avec lui. On allait marcher un peu derrière dans les bois, il était découvrir des coins, et on papotait, hein, on discutait de choses et d'autres, et puis accessoirement de catharisme. Et il y avait autour de lui un aéropage très diversifié. Et puis moi je l'ai rencontré donc fin 2006, ouais, fin 2006, début 2007, on a commencé à se voir très régulièrement. C'est là qu'il m'a fait rencontrer Ruben,
connaissait déjà. Et c'est en 2007, lors d'une de ces discussions qu'on tenait dans devant la cheminée chez lui, qu'il a lancé l'idée d'organiser une rencontre de la diversité cathare. Et donc, au départ, on était parti sur une rencontre tous les deux ans. Et bon, à l'époque, lui, il était très motivé. Moi, je trouvais que c'était une bonne idée en termes de communication. Il faut dire que j'ai un petit passé de communicant. J'ai été un des responsables des mouvements sociaux infirmiers à Paris en 88-89. Donc, ça me paraissait une bonne idée de jouer sur ce terrain-là. Et donc je me suis lancé avec lui dans ce projet. Les autres ne croyaient pas à l'époque. Bertrand Lafarge trouvait que c'était une très mauvaise idée. Ruben pensait que ça ne marcherait pas. Mais bon, au fil du temps, on a quand même continué le travail. Ils nous ont quand même aidés, même s'ils n'étaient pas convaincus à l'époque. Après, le succès s'est avéré manifeste. Et puis, surtout, Yves a profité de son entourage pour contacter tous les groupes plus ou moins catharisants qu'il avait. Et Dieu sait qu'en Ariège, s'il y a un truc qui ne manque pas, ce sont les groupes spirituels. Il suffit d'en parler avec Edmond Ferrand. Il a fait un vrai catalogue. C'est le département de France où il y a le plus de sectes. Recensement de la Bilivude. Hein. Donc, j'ai vu passer tous ces braves gens régulièrement, qui les recevaient, et on discutait avec eux, et puis après ils me faisaient le commentaire. Ils disaient, bon, cela, c'est pas la peine, cela, ça va le faire. Et c'est comme ça qu'on a préparé ensemble la rencontre, qu'il a préparé les textes d'introduction, de présentation, qu'on a choisi qui allait intervenir, qui allait faire quoi, et qui m'a dit, mais c'est toi qui feras l'animation de cette rencontre. Et puis il a dit, on va faire quand même un accueil le vendredi, un accueil pour les premiers arrivants, histoire de prendre un peu le pouls, d'être ensemble. Et c'est là qu'on s'est retrouvés donc, le vendredi, à combien, une quinzaine à peu près, hein. Et que notamment, il était déjà très fatigué, donc il nous a emmené dans la carrière qui était derrière chez lui pour une séance de méditation, et comme lui était très fatigué, il est allé en voiture. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis donc on s'est mis le cul dans l'herbe là, et on a médité, et c'est de là que viennent les photos que je vous avais présentées sur le site, notamment, alors, là, je ne sais pas si je vais la retrouver tout de suite, mais elle est tout à fait extraordinaire. Je vais la chercher. Hein. Donc voilà, c'est la dernière photo que j'ai de Yves avant qu'il soit hospitalisé, puisque la nuit même, donc il avait des chambres d'hôtes dans sa maison, et donc Kevin dormait dans la chambre à côté de la sienne à l'étage, moi je dormais dans la chambre du bas au rez-de-chaussée, à côté de la porte d'entrée, et à 3h du matin, il est venu frapper à ma porte, il avait des expectorations sanguines. Donc, comme c'était un peu mon domaine de compétence, je me suis occupé de ça, j'ai appelé le SAMU et je l'ai fait transférer à 5h du matin. Il est parti au Shiva pour se faire prendre en main. Il est rentré chez lui quelques semaines après et c'est là qu'on s'est aperçu que c'était une pleurésie. Ça avait touché, il avait été jeune, vers 20 ans, il avait 25 ans, il avait été opéré d'un anévrisme de l'aorte. Donc il avait eu plusieurs interventions, il avait eu des pièces qui avaient été fixées les unes aux autres, et là tout ça s'était infecté, donc on avait décidé qu'il fallait l'opérer pour lui refaire complètement sa prothèse aortique. Et donc il a été à Rangueil, puis il a été à Purpan, et donc c'est à Purpan qu'il a... Non, c'est à Rangueil qu'il a été opéré. Ouais, c'est à Rangueil qu'il a été opéré, et donc moi j'allais le voir... deux, trois fois par semaine. J'étais en lien avec ses deux enfants, hein, sa fille, aide-moi, sa fille, Olympe, et son fils Barthélémy, voilà, et sa mère, sa femme, pardon, aussi. Donc, comme j'étais dans le domaine, il s'appuyait un peu sur moi pour suivre un peu les événements. C'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles, hein, il y a eu des moments où il semblait avoir perdu toute conscience claire. Il a récupéré et la veille au soir de l'opération, j'étais donc là et on a discuté, on a parlé de son projet de prochain livre, on a travaillé là-dessus. Et bon, à 19h, je les ai laissés en famille et puis j'ai dit aux enfants que j'étais un homme grand d'intervention puisque j'ai travaillé moi-même en chirurgie cardiaque, je connaissais ce genre d'intervention. Et
donc je comptais les appeler le lendemain vers 15h, en ayant calculé à peu près les temps d'intervention. Et à 13h, son fils m'a appelé pour lui dire qu'il était mort sur la table d'opération. Voilà. C'est comme ça que s'est terminée l'affaire. Donc ensuite, les obsèques ont eu lieu. On a été quelques-uns à être invités. Et on m'a demandé de prendre la parole en lisant un pot-pourri de ses textes. Et c'est notamment son ami Gérard Bavou, là, qui tient son site, qui gère son site. C'est lui qui m'avait proposé une sélection de textes à lire. Et ça tombait bien, puisque c'était... Alors ce qui est amusant, c'est que c'était une cérémonie un peu œcuménique, puisque ça se déroulait dans l'église de Roquefixade. Donc le curé a fait son point de vue. Les enfants, Barthélémy notamment, a lu un texte, notamment l'épine dans la chair. Parce que vous vous rappelez un de ses derniers textes sur la maladie. Et moi, j'ai donc lu un texte qui était notamment basé sur la partie dans l'évangile de Nicomède. Quand Jésus parle à Nicomède sur l'esprit. Oui, ça tombait très bien. Voilà. Et ça s'est terminé comme ça. Il est enterré à Roquefixade. Ça tombait toujours là-bas. Voilà. Voilà pour Yves. Donc au niveau de la production littéraire, elle est très limitée. Par contre, l'influence intellectuelle est très importante. On peut dire qu'il a été à la base de la formation de... C'est lui qui est le socle de ce renouveau contemporain. Oui. Puisqu'après, toi et lui. Oui, mais enfin, on n'a pas le même niveau. Voilà. Donc voilà. Je parle pas de niveau. Tu viens de dire qu'il y a un site qui est dédié à... Oui, le chemin de Qatar. Alors c'est un site qui est figé, effectivement. Aujourd'hui c'est un site qui est complètement figé. Oui, parce que quand tu dis qu'ils sont toujours, ils sont figés depuis pas mal de temps. Mais oui, parce qu'ils le laissent vivre, quoi. Ah oui, oui, d'accord. Il est là, voilà. Mais vu le nombre de documents qu'il y a sur ce site, vous pouvez y aller. Voilà. Et oui, ce serait recréer un autre site de quelqu'un d'autre. Non, mais c'est là, poursuivre l'histoire d'un homme, de l'esprit. Qui n'est plus terrestre. Je suis étonnée que tu aies dit qu'il ne voulait pas une résurgence, puisque tout ce qu'il a organisé, en fait, c'était pour rendre effectif. Il ne voulait pas une résurgence pratique. Oui, mais justement, c'est écrit, si vous avez le manifeste. Mais le fait de réunir les gens, de faire des réunions, des séminaires. Ah, mais chacun de nous a ses orientations, et il peut. Ça peut être vécu par d'autres comme contradictoire, mais disons que lui, il suivait son orientation. Je pense que c'est encore une des différences entre Yves, lui-même, et Eric. Voilà. Puisque Yves... Je crois qu'il a par les formes, c'est ça. Excuse-moi. Yves, en... Le son suffisant de ton côté, parce que peut-être une voix qui porte plus, c'est j'ai un micro ici. C'est vraiment pour la barre, pour l'indemne, justement. Alors, Yves... Yves parle bien de résurgence, donc il n'emploie pas le mot par hasard. S'il connaît la connotation de ce mot-là, tout comme Eric connaît la connotation, et que Ruben, je ne sais pas si dans ses écrits, je ne me rappelle pas, il était, avoir vu le mot résurgence, je ne sais plus sur Ruben. Oui, mais oui, ça fait de la maison de la résurgence. Oui, pas de problème. Donc, si ce mot est employé par ces trois personnes, mais chacun le voit à sa manière. On l'a bien vu hier. Voilà. Mais je crois que vraiment c'est important de comprendre cela et qu'il n'y a pas une voie unique. Voilà. C'est une voie, c'est une démarche de chacun. Voilà. Et qu'il y a nécessité, je reprends mon propos d'hier, de rester ensemble. Ensemble, avec des visions différentes, c'était une rencontre sur la diversité que voulait Yves. Oui. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Qui devrait aboutir à une complémentarité. Tout à fait. Parce que si tout le monde reste séparé, il n'y a pas assez de monde pour faire vivre tout ça, et surtout. Après, la problématique est toujours la même. Hein. Moi, je comprends bien que la volonté qu'il peut y avoir parmi les sympathisants et les croyants. Parce que tout ça soit dans l'uniformité, mais comme je me suis opposé à un moment donné à la collégiale Qatar proposée par Jean de Carignan,
Moi, je suis contre l'œcuménisme si ça consiste à trouver le plus petit dénominateur commun. Parce que pour trouver le plus petit dénominateur commun, il faut abandonner l'essentiel de ses propres convictions. Oui, c'est vrai, c'est la chrétienté, on pense. Voilà, bon, mais voilà, limite, pourquoi pas. Hein. Oui, mais... Disons qu'elle existe déjà dans ces cas-là. Voilà, donc je pense qu'il vaut mieux, parce qu'après tout, les choses ne se font pas de 0 à 100 du premier coup, il vaut mieux peut-être avoir quelques décennies d'hésitation, d'errement, parce que chacun va suivre une voie, et que peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, se trouveront des gens qui arriveront à faire la synthèse de tout ça, très bien. Mais pour autant, taire des choses qui nous semblent évidentes et nécessaires aujourd'hui, c'est en priver les générations futures, alors que ça pourrait leur servir. Oui, oui, tout à fait. Je trouve que le travail que fait Eric est un travail extraordinaire, avec la Bibliothèque Qatar. C'est vraiment un travail pour les générations futures, donc c'est vraiment un travail d'une importance extrême. Il ne faut pas perdre de vue que c'est un chemin personnel, que nous venons tous de vie, de monde, d'expériences, de cultures différentes, et où chacun, on a une résonance par rapport à ce moment-là, on a une résonance par rapport à ce que ces frères humains ont vécu il y a 700-800 ans. Donc c'est ça qui nous regroupe. Après, avec nos différences, avec nos diversités, il faut savoir si on se retrouve dans ce mot-là ou si on ne se retrouve pas. Attention à ne pas avoir trop d'intellectualisme dans tout ça. C'est également la voix du cœur, la voix de l'amour. Hein. Mais si on se rencontre, si on se réunit autour du mot « catharisme », autour de ce que ces gens-là représentent pour nous, même sur quelque chose qui n'est pas forcément intellectualisé. Moi, quand j'ai 20 ans, et que je reçois ça comme un choc, intellectuellement, je ne peux pas l'analyser. Oui, oui. Bon, mais quand c'est la même chose que toi. Lorsque Ruben me dit hier, attends, mais bon, comment tu as trouvé que tu étais dans le catharisme ? C'est que j'ai compris que les idées que j'avais, qui me semblaient totalement, je veux dire, hérétiques par rapport au milieu dans lequel j'avais baigné pendant 20 ans, qui est un milieu catholique de France, je me suis dit, mais... Bonjour, c'est bien sûr. Il y avait un calque qui était là. C'est comme ça qu'on s'est dit, mais ça correspond à ça. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais maintenant, ce n'est que ma propre expérience, très humble. Est-ce qu'on peut se réunir, se rencontrer autour de cela ? Alors, Yves, il avait sa vision, comme Eric et comme Ruben. Et après, c'est à chacun de dire, mais... C'est vrai que je me sens dans le chemin qu'emploie Eric. C'est un chemin qui, moi, peut-être qu'un jour sera mon chemin, hein, puisque de tout temps j'ai été tenté par cela, mais que pour l'instant ma vie est autre, et peut-être qu'elle sera autre jusqu'à la fin de ce corps terrestre. Mais je comprends Ruben. Moi aussi. Je comprends Ruben. Voilà du mari, pour ceux qui ne le connaissent pas. Devant sur la terrasse de la Bastida del Catas, qui était sa maison à Roquefixade. Qui est toujours, comme ceux qui ne connaissent pas Roquefixade, à la sortie de Roquefixade sur la gauche, ils sont très particuliers. Ça c'est sur la droite. Ça c'est la photo, la dernière photo. Non mais quand tu sors, quand tu la regardes, c'est filmé. C'est la dernière photo oui. Que vous avez fait. J'ai une photo assez récente, sur la droite. Droite. C'est pas la toute dernière, mais c'est une photo assez récente. C'est bon ? Dans la dernière photo, c'est une de celles que j'ai... Alors ça, ce qui est amusant, c'est cette photo-là, mais elle passera pas à l'écran. C'est la photo que j'ai prise sur son site, parce qu'en fait, c'est la photo qui m'a incité à aller le voir. Voilà. Quand j'ai vu cette photo, j'ai dit, ça a une bonne tête de gourou. Tu la vois ? Vous ne la verrez pas, elle est très grisée. Non, je la vois quand même, c'est bon. Parce que j'ai un gros zoom. Ouais, ça fait plus vite. Et alors, ouais, donc, je me suis dit, il faut que j'aille vérifier ce que c'est que ce rigolo, parce que moi, je débutais tout juste en catharisme à l'époque, hein, j'étais arrivé au mois de juin. Quelle était ta relation première ? Parce que moi, c'est exactement celle que tu as vécue. Moi, micro. J'ai dit, pétard, mais ça micro. Correspond. Ça résonne tout de suite micro. À quelque chose qui est dans toi, tu vois, c'est quelque chose qui est dans toi et que tu n'arrives pas à définir. Tu n'es pas bien, tout ce qu'on t'a appris,
ce que tu prends pour argent comptant ne te convient pas. La dépêche. Et d'un coup, je me suis dit, mais c'est ça. Pourtant, je suis une grande intellectuelle. Et pourtant, j'y suis arrivée comme toi. D'abord, par l'histoire, souvent, parce que ce qu'ils ont vécu, c'est quand même terrible. Hein. Quand on voit ce que les chrétiens ont fait à d'autres chrétiens, oh, moi, ça m'arrache le cœur. Et les messages après qu'on nous raconte aujourd'hui, hein, qu'en fait, il y a un gros mea culpa à faire. Mais ça sert à rien, mais il n'y a pas. J'étais même dans la colère qu'on ait pu supprimer pour les générations à venir des idées pas progressistes, parce qu'apparemment il ne fallait pas se reproduire et que normalement c'est un des grands reproches de l'Église catholique qui a été pour le contraire. Normalement les moines catholiques en plus ne reproduisent pas. Vous ne vous recherchez pas. Et normalement ils ne doivent même pas toucher les petits garçons, donc tu vois. Mais les non-croyants et ceux qui les suivent doivent se reproduire un petit peu. La non-reproduction sexuée, c'est commun à la plupart des religions. Tôt ou tard, cette église serait morte puisqu'il n'y aurait pas eu le représentant pour penser à ça. On va dire ça aux catholiques, normalement, il devrait être mort parce qu'il n'y a pas de reproduction sexuée, c'est les moines. Oui, donc ce que je regrette, c'est qu'on ait plus que des frères chrétiens aient pu supprimer des courants de pensée qui auraient pu servir pour le futur. Et qui fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont mal à l'aise, qui ne savent pas vraiment pourquoi, qui ne connaissent pas, et comme ce que tu as fait, ce qui m'est arrivé en me disant, grâce à l'histoire, je suis tombée sur des choses qui m'ont fait dire, c'est tout à fait, ça correspond très bien à ce qui résonne en moi. Ça résonnait bien, voilà. Alors je ne sais pas quel est, ça ce serait intéressant de savoir comment on y est arrivé. Toi, Eric, ça m'intéresserait. Parce que je me rends compte que tu es très intellectualisé aussi. Je l'ai déjà raconté plusieurs fois. Je ne connais pas, vous m'en souvenez plus. Mais est-ce que c'est vraiment ce côté très spontané où ça a été on va aller vite là-dessus, mais grosso modo, j'ai quitté l'Église catholique intellectuellement vers l'âge de 15 ans, parce que comme tous les garçons, à l'âge de 15 ans, on commence à peine à réfléchir. On prend du retard sur les filles, mais on réfléchit plus longtemps. C'est sûr. Et alors, je me suis retrouvé SDF, quoi, sans doctrine fixe, à partir de là, et je suis resté comme ça jusqu'à l'âge de 50 ans. Et comme j'étais un garçon qui avait une formation intellectuelle correcte, hein, j'avais fait un bac philo, même si je l'ai eu par protection, et j'ai continué à lire et à étudier par moi-même, donc je me suis construit ma propre spiritualité, comme le font beaucoup de gens, ce qu'on appelle un agnostic. C'est-à-dire que je n'avais pas d'orientation précise, mais j'avais un point de vue personnel, et je partais du principe que si je venais à mourir en respectant ce point de vue, de deux choses l'une, soit Dieu était de mon avis et c'était très bien, soit il n'était pas de mon avis et j'étais ravi de ne pas aller chez lui. Donc tu étais bien dans ce principe de ne pas croire à quelque chose de précis. Parce que je croyais à une immanence, je croyais à une transcendance. J'avais toujours l'impression qu'il fallait toujours se raccrocher plus ou moins à ce qu'on inventait, ce qu'on s'imaginait. Chacun essaie de construire. Il y a ceux qui considèrent que tout est ici et maintenant et qu'il n'y a plus rien d'autre. Ça, il y en a plein qui croient ça. Moi, je pensais que ce n'était pas cohérent. Ça me paraissait. Moi, j'ai une formation très cartésienne. Donc, je considérais que ce n'était pas cohérent de considérer que tout était ici et que c'était le fruit du hasard absolu. Voilà. Donc, partant de là, arrivé vers l'âge de 50 ans, j'ai cherché un point de chute dans le sud-ouest pour finir ma carrière professionnelle. Et comme j'ai la chance d'avoir un métier où on est tellement mal considéré, à tout point de vue, il n'y a aucun problème pour trouver du boulot. Donc, j'ai postulé, et entre autres, j'ai postulé à Carcassonne. Et on m'a dit non, il n'y a pas de poste. Donc, j'ai laissé tomber Carcassonne, j'ai postulé à Rodez, parce que je suis originaire de là-bas. Et on m'a dit oui, il y a un poste, mais on va vous envoyer une convocation pour un entretien, et puis pas de problème, le poste est pour vous, le procédé par le concours, il n'y a pas de problème. Bon, donc, je me voyais déjà arrêté loin. Et j'attendais la convocation. Il n'arrivait pas. Et au bout de deux mois, quand même, je commence à m'inquiéter, je rappelle Rodez, ils me disent, mais on vous l'a envoyé, ça nous est revenu, n'habite pas à l'adresse indiquée, et donc on a embauché quelqu'un d'autre. Alors je dis, bon, alors là, du coup, je commence à la chercher, j'avais une proposition sur Pau, mais qui dépendait de la création d'un service de chirurgie cardiaque pédiatrique dont j'aurais été le responsable de formation du personnel. Ça a capoté parce que Bordeaux ne voulait pas que Pau le service. Et petit à petit, le temps passait, ça commençait à m'inquiéter un peu, et un bon matin, je reçois un coup de fil de Carcassonne. Ah, mais on a un poste qui vient de se libérer, est-ce que vous pouvez venir dans la semaine pour l'entretien d'embauche? Bon, alors,
je débarque ici en catastrophe. À tel point d'ailleurs que je n'avais pas eu le temps d'étudier la topographie locale, que je croyais que de la gare à l'hôpital, ce n'était pas un problème. Je me suis même gouré, j'ai voulu couper court, je me suis retrouvé face à l'aube, il a fallu que je revienne chercher le pont. Je suis arrivé à l'hôpital, rouge comme une pivoine, en plein mois d'avril, rouge comme une pivoine, avec du mal à parler. Et bon, l'entretien s'est bien passé, on m'a dit, il n'y a pas de problème, on a une autre personne à voir demain, mais c'est vous qui aurez le poste parce que vous avez le CV qui va bien. Et donc, je suis rentré à Lyon, parce que je vivais à Lyon à l'époque, et je suis rentré à Lyon avec l'intention de me préparer, et j'ai été nommé ici pour le 1er juin. Donc j'arrive ici, et je fais ce que je fais partout ailleurs, quand j'arrive quelque part, j'étudie l'histoire du pays où je suis, ne connaissant pas du tout l'histoire locale. Alors j'ai dit, ben, première année, j'ai vu qu'il s'est passé beaucoup de choses au Moyen-Âge, alors première année, Moyen-Âge, deuxième année, je m'intéresserai à tout ce qui est abbaye, il y en a beaucoup dans le coin, etc., etc. Je m'étais programmé mes études, et j'ai jamais décollé du Moyen-Âge. Je suis resté coincé sans Moyen-Âge, parce que là j'ai découvert des choses extraordinaires. Et donc j'ai commencé, alors j'ai eu la chance de tomber sur les bons auteurs d'emblée, j'ai tombé sur les femmes cathares de Brenon d'emblée, donc j'ai compris pas mal de choses, je me suis lancé sur du Vernois, et puis donc pendant tout l'été je me suis baladé avec ma petite moto, j'ai fait tous les châteaux, je me suis amusé, et à l'automne j'ai fouillé un peu sur internet, j'ai commencé à chercher des informations sur internet, et je tombe sur le site de Vivarais, avec cette fameuse photo qui m'a choqué, et donc j'ai dit, ben, on va aller voir. J'avais une 125 à l'époque. Donc, je suis parti direction rue Kilsade et je me suis planté. Alors, la Bastida Alcatraz, si vous ne connaissez pas, depuis la route, vous avez un abribus et vous avez des arbres qui bouchent la vue. Et c'est une pente raide à 40 degrés quasiment. Quoi. Donc, je ne voyais rien en bas. Alors, je commence à monter à pied sur ce bout de chemin qui doit faire 30-40 mètres à peu près. Je grimpe, je vois la maison, mais je ne vois pas bien, alors je grimpe encore, et puis finalement, c'est quand on arrive sur le méplat où il y a l'abri de voiture, là, on commence à voir un peu. Alors je voyais un peu, mais bon, pas plus que ça, alors je monte encore les quelques mètres qui restent, et là je voyais bien, et puis je voyais même tellement bien que la porte s'ouvre, et il m'arrive, bonjour monsieur, c'est pourquoi. Je lui dis, écoutez, j'ai vu votre site, ça m'a un peu intéressé, voilà, mais je ne sais pas trop. Je débute en reconnaissance du Qatari, il dit pas de problème, on s'est assis sur la terrasse où a été prise la photo que vous avez vue avec le cadran solaire. On s'est assis là et on a pris un café, on a discuté pendant 2 heures. Il t'a convaincu? Il m'a pas convaincu du tout, mais il m'a intrigué énormément, il m'a surtout convaincu qu'il n'était pas ce que je craignais, c'est-à-dire que c'était pas une espèce de gourou qui... Voilà. Il m'a parlé philo, alors moi j'avais parlé philo, mais j'ai pas été un élève brillant en philo. Donc j'ai dû rentrer à la maison et reprendre mes bouquins de philo. Et en parlant philo, il abordait qui spécifiquement? Avec Platon, Aristote, et puis la philosophie moderne, Simone Veil, Schopenhauer, on a parlé bien sûr un petit peu aussi de notre cher, on en a parlé hier, le gai savoir Nietzsche, voilà des gens comme ça. Mais moi, tout ça, c'était un peu vague quand même, donc j'aime pas trop mettre les pieds dans un truc où je suis pas sûr, j'y allais mollo. Mais ça, il m'a dit en partant, si vous voulez, vous m'envoyez un mail avec votre parcours spirituel personnel. Et je publierai, parce qu'il avait une page dans son site à l'époque pour publier les parcours personnels. Et donc je l'ai fait, je lui ai envoyé un mail. Et puis on a fini par se recontacter régulièrement, je suis retourné le voir plusieurs fois. À partir de l'année suivante, en 2007, il m'a fait rencontrer Ruben, en disant que tous les deux, on allait sûrement pouvoir s'entendre, qu'on avait des choses intéressantes. Mais c'est pas un coup de cœur pour toi? Non. Alors, c'est mieux que ça, parce que dans le même temps, moi, j'ai continué mon étude historique, j'ai continué à étudier le côté histoire par moi-même, le côté philosophique avec lui. J'essayais d'apprendre un peu la doctrine par les bouquins d'histoire que je trouvais. Et j'essayais de faire des synthèses de tout ça, de comprendre un peu tout ça. Et un jour, donc, on discutait dans cette pièce, il m'a dit, tu te rappelles du texte que tu m'avais fait passer au début? Je lui ai dit, ah non, j'ai oublié. Il dit, retourne le lire. Et je suis retourné lire ce texte, et je lui ai dit, mais c'est pas possible. Pour moi, l'entrée dans le catharisme, c'est pas la chute de cheval de Paul.
J'ai pas pris un éclair dans la tronche. C'est quoi? C'est un plan incliné. Ouais. Qui t'emmène et dont tu peux plus revenir. Ça peut revenir, ça c'est certain. Je me suis retourné, j'ai dit, mais j'étais là à l'époque et je suis là aujourd'hui. J'ai dit, c'est incroyable, je me suis pas senti. Ça me savez comme ces gens qui font des accidents de voiture parce qu'ils quittent la route et ils prennent un champ, puis il y a un précipice au bout, mais voilà. Moi c'est ça. Je me suis pas senti partir dans le catharisme, mais j'ai compris à ce moment-là que j'étais dedans sans le savoir. Alors, est-ce que j'avais déjà l'éveil? C'était pas forcément vrai, j'étais peut-être en phase intermédiaire, mais déjà je comprenais que c'était ça. Et effectivement, dans le catharisme, ce qui m'a sidéré, c'est que j'ai retrouvé tout ce que moi je m'étais construit pendant 35 ans. J'ai tout retrouvé, plus quelques points, des réponses à des questions que je me posais et que je n'avais pas résolues. Donc forcément, ça change un peu. Voilà mon chemin.